Coucou mes petits malins et bienvenue sur Amour Secret. Donc, on va continuer donc. Avant, on va aller voir l'objectif. Qu'est-ce qu'il disait? Retourne dans la cour pour rentrer chez toi. Ah, ok. On rentre chez nous. J'allais voir au sous-sol s'ils ont pu monter cette fameuse estrade. Voilà. En espérant que ça plante pas trop. Parce que, je sais pas, vu qu'il fait pas très joli, l'internet a un peu plus de misère que d'habitude. Waouh! Quand il parlait de Nestrage, je pensais à un tout petit truc, à peine surélevé. Les remises de diplôme devaient être géantes à l'époque. Pour une surprise, ça c'est une surprise. Ah, tu es là, Lisan? Tu as vu? Nathaniel et Molody ont bien travaillé. Ce sont eux qui ont fait ça. Il faudrait que j'aille les remercier maintenant. Nous n'avons pas répété dans un sol, mais dans une véritable salle de concert, même s'il manque quelques détails. Quels détails? Les instruments pour commencer. Ah oui, Kim doit ramener une batterie aujourd'hui et Cassiel et Iris pourront laisser leur instrument ici maintenant. J'allais chercher les membres du groupe pour une première répétition. Pourrais-tu voir avec Kim si elle a pu amener de quoi permettre à Nathaniel de jouer? Oui, je vais aller lui demander tout de suite même. Et là, on voit l'estrade. C'est... Salut Quentin, tu n'aurais pas vu Kim? Non, mais j'ai eu l'estrade au sol. Elle est classe, hein? Ouais, j'en regretterais presque de ne pas savoir jouer d'instrument, enfin, à part la flûte. Avoue qu'avec une flûte dans le groupe, j'aurais eu l'air d'idiot. Dommage, tu aurais donné une raison aux filles des autres écoles de venir voir le concert. Ha, ha, ouais, tu penses, c'est gentil. Pas de quoi. J'ai mon type 5. Enfin, je sais que je veux le coup d'œil, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Les affiches ont été placardées un peu partout dans la ville. Personne ne pourra prétendre ne pas être au courant. Super, merci Peggy. Disons que c'est ma façon de te remercier de m'avoir donné de quoi écrire depuis que tu es arrivé. Je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Classe l'estrade au sol. Si seulement les gars avaient accepté que j'entre dans le groupe. Elle est jeune, hein? On va avoir la classe avec ça. Grave, ça s'annonce déjà bien à la base. Maintenant, ça devient extra. Fermons la discussion. Bon, on retrouve. Hey, tu pourrais me donner un coup de main? Kim est en train de transporter deux gros cartons en les faisant traîner par terre derrière elle. Oui, bien sûr. Tu seras pas lent. C'est la batterie de mon pote. Faut l'amener au sol et j'ai peur de l'abîmer à force de la traîner comme ça. Oui, c'est sûr que ça vaut mieux. Donc, Kim a porté la batterie au sol. Voilà. On va avoir du monde. Je te le garantis. Quel que soit le projet que vous voulez financer, la directrice, avec la course, elle va pouvoir la réaliser, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous faites? On déplace quelque chose. Tu pourrais t'écarter du chemin, s'il te plaît? Ça a l'air lourd. C'est pour ça qu'il faudrait que tu t'écartes. Tu te bouges, ouais. J'ai pas que ça à faire ma journée. Tombe te coiffer, faire tes trucs de poupée Barbie. Ça va pas la peine de s'énerver. Voilà. Cool! Ah, c'est vrai, tu n'avais pas encore vu l'estrade. Ça en jette. Viens, on va poser la batterie dessus. Ok. Nous avons monté la batterie. Nous avons monté la batterie. C'était assez compliqué de le faire avec Kim. Avoir réussi à placer correctement chaque partie relevait du miracle. Oula, je veux-tu parler comme du monde? Super, c'est encore mieux maintenant. Tu trouves pas? Si, c'est sûr.
Mais ce serait mieux avec des coulisses. Les gars vont avoir besoin d'un coin tranquille pendant l'entracte, non? Seulement, je ne vois pas comment on pourrait faire. Moi non plus, je te laisse. J'ai mal au bras à force d'avoir traîné ces machins à plus tard. À plus tard. Elle a raison, il me faudrait quelque chose. Rosalia voulait participer elle aussi. Peut-être que deux grands rideaux entre l'estrade et le mur pourraient servir de coulisses. J'allais lui demander. Voilà, une batterie demi. Rosa, où are you? Soit qu'elle est dans une des salles de classe. Je sais même. Ah, ok, c'est rien. C'est juste une tâche. Ah non, c'est mon collier. Ah ouais, c'est mon collier qui reflète. Je me demandais, ben, c'était quoi ça? Bon, y'a rien. Ici. Personne. Il aime ça nous faire attendre. Hein? Ça se voit. Non plus. Ça des délégués, on ne sait-on jamais, mais je pense pas. Je pense que d'après moi, ils sont tous dehors ou quelque chose du genre. Oui, il y a l'event de Pâques. C'est pour ça qu'il y a un petit poussin au côté. Bonjour, excuse-moi, je suis bien au lycée sous ta Maurice. Oui, c'est ici. Génial, j'avais peur de m'être trompée. J'ai vu qu'un concert allait avoir lieu ici. Et je me demandais si vous aviez besoin d'aide. Non, c'est gentil, mais pourquoi veux-tu aider? Pour Lisande, il va chanter pendant ce concert. Il faut que tout soit parfait. Lisande, tu connais Lisande? Oui, il a chanté pour un groupe que j'aimais bien et j'en suis fan. Il a beaucoup de classe. Il est gentil et il a un prénom qui ressemble au mien. Ah oui, tu t'appelles comment? Je suis Lisandra, la responsable du fan club de Lisande. C'est une blague. Moi, c'est Malice. Lisande a un fan club? Oui, nous avons même un t-shirt créé spécialement en son honneur. C'est moi qui l'ai fait. Tu en veux? Oui, je veux bien. C'est 4 gold. Avec le... Les gonds que j'ai, je pense pas que ça va déranger, quoi que ce soit. Et voilà, te voilà membre du fan club. Super, il y a combien de membres en fait? Maintenant, nous sommes deux. Il n'y avait que toi? Disons, on n'est pas encore très connus, c'est pour ça. Mais avec ce constat, ça va venir. Ah, d'accord. Tu as vu? J'ai mis son tatouage sur le t-shirt. Il est tellement beau. Attends une minute. Il t'a déjà montré son tatouage? Non? Alors, comment est-ce qu'elle a pu le voir? Bah, eh bien, ravi de t'avoir fait ta connaissance. Disons, Nina, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Lisandre. Lisandre! Elle lui a sauté au cou. Qu'est-ce que tu fais ici, Nina? Ce qui n'a pas l'air de le gêner plus que ça. Je suis venue voir si vous n'avez pas besoin d'aide pour ton concert, Nina. Tu ne m'as pas dit que tu t'appelais Lisandra. C'était une blague. Oh, je vois. C'est gentil, mais je préférerais que tu restes à ton collège. Je n'aimerais pas que tu aies des problèmes au collège. Oh, elle est plus jeune que nous. D'accord, mais j'aimerais te voir chanter. J'espère, désolé, je dois trouver Cassiel. J'ai l'impression qu'il m'évite. Oh, ça ira mieux après. Il doit t'en vouloir un peu d'avoir proposé Nathaniel comme membre du groupe. Je sais, je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète pas plus que cela. À plus tard, Malice. Ravi de te revoir, de t'avoir revu, Nina. Salut. Il est tellement beau. C'est peut-être pour lui qu'elle s'habille de cette manière. En tout cas, je suis ravie de t'avoir rencontré, Malice. Je te reverrai au concert. Moi aussi, à la prochaine, Nina. Hihi, ne m'en veux pas. J'aurais vraiment voulu m'appeler comme ça.
Ok. Nous recherchons toujours Rosa. Je crois qu'il y a de la difficulté. Dans le couloir, non. Il n'y a pas de difficulté à apparaître, à télécharger. Mais, car c'est les autres lieux, il a de la difficulté. J'ai rien compris. Pourtant, c'est le même site, quoi. Salut Rosa, je te cherchais. Tu crois que Leg et toi, vous pourriez nous donner, je ne sais pas, de longs rideaux pour servir de coulisses pendant le concert? Oh! On les mettrait derrière la scène? Oui, ce serait parfait, non? Jean, oui. En plus, Leg a reçu un surplus de tissu à sa dernière livraison. Il ne savait pas quoi en faire. Vraiment? Il pourrait faire ça, du coup? Oui, bien sûr. Donne-nous 3 jours et c'est dans la boîte. D'accord, merci beaucoup. Par contre, il va nous falloir un triangle pour l'accrocher. Wow, une tringle. Un triangle. Oula! Je sais pas ce que j'ai vu là. Une tringle pour l'accrocher. Tu pourrais aller voir au bazar s'il y en a une. D'accord. Oh, ne me remercie pas, c'est tout naturel. Je veux que les garçons puissent se changer avant le concert. Oh mince, j'ai oublié de leur en parler. Ne t'embête pas, on leur fera la surprise. Ah, d'accord. Achète un train au bazar. Donc du coup, on va juste aller là. On va aller dans la ville. Boutique de vêtements, où est-ce qu'il est? Magasin de bazar. Bon. Allez. Train. Validé. On a... non. La ville. Ça. Et ça. Voilà. Où est-ce qu'on dépose la train maintenant? Sûrement là-bas. Sûrement là-bas au sol. Là. J'ai eu une jeune fille dans la cour, tu sais qui c'est? Elle s'appelle Nina, c'est une fan de Lisandre. Ah, ou Lisandre a des fans? Il faut croire, il a déjà chanté sur scène, tu sais. J'en avais entendu parler, oui. Peut-être que toi aussi, tu vas avoir un fan club après le concert. Je n'espère pas. Ça me mettrait mal à l'aise. Tu as encaissé le coup, ça y est? Quel coup, Natalia, dans le groupe? Non, j'ai encore du mal. Tu es désespérant. J'ai eu une blonde dans la cour tout à l'heure. Tu lui parlais, tu sais qui c'est? Ouais, c'est un membre du fan club de Lisandre. Ah, Nina, il m'en avait parlé. Si ça se trouve, une fois le concert passé toi aussi, tu auras un fan club. Et tu sais ce qu'elle représente pour lui? J'espère qu'après le concert, tu n'auras pas de fan club. ça serait, je sais pas, hein? Qui te dit que j'en ai pas déjà un? Toi, ça m'étonnerait. Tu es trop difficile comme garçon. Tout le monde n'est pas forcément de ton avis. Je suis montée sur l'estrade pour y installer la tringle. Osirien n'aura plus qu'à accrocher les rideaux lorsqu'ils seront prêts. Oh, tu es là! Je venais prendre des mesures pour les rideaux. Quand on parle du loup, Leg a accepté. Je t'avais dit qu'il dirait oui. Je te laisse. Je ne vais pas traîner plus longtemps au lycée aujourd'hui. D'accord? À demain. Je vais rentrer moi aussi. Et voilà, là, on rentre chez nous. On commence les répètes demain. Évite de venir nous déranger. J'y penserai. Nous nous sommes mis d'accord pour commencer les répétitions demain. J'espère que tout se passera bien. Moi aussi. Et voilà, tu rentres chez toi, ma liste? Oui, pas vous? Non, on est venu apporter mon matériel audio. Ils vont en avoir besoin pour le concert. On rentrera juste après. Oh, je vois. À demain.
Voilà. Par contre, je déteste ça. En à peine 4 jours, les choses sont énormément évoluées. J'ai hâte de voir le sol fin prêt et les répétitions des garçons. Voilà. C'est temps. Et voilà. Du coup, c'est ainsi qu'on va terminer la vidéo, quoi. Je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.